Rebonjour à toutes et à tous. Bon, j'ai pu finalement j'ai pu télécharger la map Oakfield Farm. Donc je vais vous la présenter. Pourquoi je la fais en vidéo postée comme ça? Ça sera plus simple pour ceux qui veulent voir la nouvelle map. Alors déjà il y a des nouveautés, hein, la maison, voilà. Si on pouvait rentrer dedans, il me semble. Hein. Il me semble qu'on pouvait, de mémoire, on pouvait rentrer dedans. Et on pouvait également aller à l'étage, ouais. Donc voilà la petite maison en elle-même. Si, si, c'est exactement la même maison. Alors, par contre, ce qui va être un peu compliqué, on va regarder ça ensemble au fur et à mesure que je vais développer cette présentation. Le truc qui va être compliqué, ça va être les emplacements. Voilà, c'est encore un petit peu comme d'habitude. Actuellement, nous avons un petit peu du matériel, je vais vous montrer dans le module ce que nous avons en matériel, mais actuellement nous sommes à 823 emplacements sur 1299. Donc en clair, ça nous laisse très peu d'emplacements. Voilà, on a un petit peu du matériel, donc on a déjà le 6230R, une benne agroliner. Ensuite, nous avons la T560i voilà, nous avons la faucheuse. Également la petite faucheuse Kun. Nous avons un CAS Optum. Ouais, je me suis pas trompé, c'est un CAS Optum 270 CVX. Nous avons le Pulvey. Voilà, on va regarder exactement si j'ai bien tout présenté au niveau du module. Donc nous avons également la charrue, donc 5 corps, pardon, Agromaz. Nous avons le cultivateur Amazon qui fait 8 mètres. Voilà. Nous avons le l'ensemenceur Horch de 9 mètres. Voilà, nous avons la remorque pour les barres de coupe. Donc on a très peu de matériel. Donc par contre, ce qu'on va voir maintenant, c'est. Je vais quand même aller dans location, il n'y a rien. A priori, je dis pas de bêtises. Donc on va vendre absolument tout le matériel. Donc ça vous donne une idée. A priori, on ne peut pas revendre le corps de ferme. Enfin, quand je dis le corps de ferme, je veux dire bâtiment par bâtiment. Par contre, est-ce qu'on peut... On va faire le test. On va aller sur la petite carte. Alors, si on vend uniquement le matériel, on en est à 670 emplacements sur 1299. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse sur la carte, voilà, c'est de vendre. Alors, je parie que si je vends cette partie-là et les contours, alors les contours sont à zéro. Donc déjà, ça c'est bien. Parce que sur Farming Legend Console, les contours que vous voyez en bleu se vendaient entre 11 et 12 millions. Donc là, c'est bien, c'est à 0 euros. Donc c'est plutôt bien parce que si on les revend, ça nous rapporte que dalle. Par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est si on vend le corps de ferme, est-ce que ça change au niveau des emplacements ou pas? Non, ça change absolument rien du tout. Donc, les amis, nous sommes... il va falloir faire très, très attention au niveau des emplacements libres. Puisque, vous pouvez constater, nous sommes à 670 si on revend tout le matériel. 670 sur 1299. Donc je vais vous montrer maintenant le corps de ferme vu du ciel. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est le même corps de ferme qu'on avait eu sur FS17. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes enclos, etc. Hein, c'est tout pareil. Il y a peut-être quelques petits détails comme ici, il y a de mémoire, il n'y avait pas de portillon ici. Donc bien entendu. Là, je vous dis tout ça de mémoire, à vérifier. Mais il me semble qu'il n'y avait pas de portillon ici. Après, le petit côté qui était sympa sur cette map, c'était ça. Je vous laisse écouter. Le clocher, et également, on entend une messe qui est célébrée à l'intérieur. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous faire un rapide tour de map.
Donc pour regarder un petit peu si ça bougeait, il y avait également un attroupement de maisons ici qui était plutôt sympa. Donc après pour ceux qui également vont plus tard, quand on aura les petites tondeuses, veulent faire de l'espace vert, ça peut être une très bonne map parce que les maisons sont sympathiques, la map est sympathique aussi pour faire éventuellement de l'espace vert. Bon, il nous manque la petite tondeuse qu'on avait eue sur FS17. Après, à voir si prochainement ils nous la fournissent ou pas. En tout cas, ça peut être un bon petit projet. Ici, nous avons la scierie. Voilà, comme ceci. On va se servir. Donc, c'est aussi c'est une map Google Map. Hein, vous voyez, c'est une map tirée d'une vraie image aérienne pour faire la carte. Donc, c'était la particularité de cette map-là sur FS17. Nous avons également les textures qui sont un petit peu plus prononcées. Notamment au niveau du labour, on voit un petit peu plus les cailloux quand on laboure. Voilà, donc bien entendu, j'ai encore pas mis un coup de charrue. Je vous fais cette petite vidéo postée pour que vous l'ayez ce soir, pour ceux qui ont peut-être pas pu installer la map. Et puis pour ceux qui veulent la découvrir un petit peu comme ceci, comme je suis en train de vous la montrer, avant de l'installer, si ça vous intéresse ou pas. Alors les entrées de champ sont relativement petites sur certaines parcelles. Les routes sont étroites. Alors moi personnellement j'aime bien quand les routes sont étroites comme ça. Voilà. Après, bien entendu, pour du gros matériel, il faut essayer de voir si vous pouvez pas. Vous voyez par exemple il y a des champs qui communiquent les uns les autres. Essayez de voir par exemple si vous voulez venir dans cette parcelle-là. Si vous voyez que de manœuvrer ici c'est un peu trop limite. C'est peut-être pas très réaliste, mais en tout cas vous pouvez passer par les champs d'herbe. Voilà, vous pouvez essayer de vous débrouiller en tout cas de contourner les champs. Alors après on va aller du côté du concessionnaire, donc c'est au bout de la route là-bas. Donc ça c'est une carrière que j'avais beaucoup farmée sur FS17. Voilà, donc là nous avons le deuxième corps de ferme. Donc là c'était plus pour du stockage et également les cochons. Donc c'était ça c'est également fait pareil que sur FS17. Voilà, c'est à quelques. Je pense que non, ça va être même les mêmes enclos, il me semble, de mémoire, c'est exactement pareil. Donc là, nous avons le petit rond-point. Vous prenez à gauche, vous allez jusqu'au concessionnaire qui est là. Donc là, nous avons affaire à un concessionnaire New Holland. Alors le truc que j'avais trouvé sympa sur FS17, je cache un petit peu, je pense que vous l'avez peut-être un peu vu, mais je cache. En élément de décor, ce que j'ai trouvé sympa, c'est ce Renault Magnum. Voilà. Qui est plutôt bien modélisé pour un élément de décor. Je trouve qu'il est vraiment stylé, vraiment très très beau. Voilà, donc peut-être un jour on le verra débarquer sur Farming, pourquoi pas. Ici nous avons également le biogaz. Voilà, là c'était une vente de grains. Ici c'est une vente de grains. Voilà. Voilà, donc on fait le tour. Donc là, ça va être à vous de placer les goulottes. Hein, donc après, à vous de voir les goulottes. Je vais vous donner le prix du biogaz après. À vous de placer les goulottes en fonction de ce que vous allez faire en ensilage. Vous pouvez mettre des petites, des moins petites. Vous pouvez en mettre qu'une seule aussi également pour garder les emplacements. Parce que là, il va falloir vraiment la jouer serrée en termes d'emplacement libre. Voilà. Donc je le répète, hein, nous sommes à 670 emplacements si on vend tout le matériel qu'on nous donne au début. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va visiter un petit peu les bâtiments pour finir cette vidéo. Donc c'est exactement les mêmes que sur FS17. Donc ici, vous avez des portes de garage, voilà, on appelle ça des volets roulants, enfin c'est, on peut appeler ça comme ça. C'est le principe du volet roulant. Voilà, donc hop, je vais en rouvrir un. Alors la porte, vous voyez, il faut être bien sur la droite pour... Là j'étais là, elle voulait pas s'ouvrir. Oh, même de face, elle s'ouvre. Voilà, donc là vous avez des bâtiments de stockage. Donc par contre, l'avantage c'est que niveau bâtiment, vous n'avez pas besoin d'acheter des bâtiments. Hein. Ici c'était... moi je mettais beaucoup mes pommes de terre et mes betteraves. Voilà, parce qu'il y a un petit truc de ventilation au-dessus. Donc on va allumer la lumière, voilà, comme ceci. Donc là-haut c'était... à l'époque il y avait même des ventilateurs, hein, vous voyez, ça faisait vraiment les hélices des ventilateurs. Ensuite, nous avons donc après le même bâtiment que le premier. Voilà, donc c'est exactement le même que le premier.
Alors, je regarde souvent ces petites plaques là d'égout parce que des fois certaines maps elles sont actives, hein. Vous pouvez les ouvrir et vous pouvez déverser quelque chose. Donc, si vous voyez souvent faire ça sur des présentations de maps, c'est normal. Voilà, donc ici nous avons donc le remplissage. Donc, ça c'était le gasoil de mémoire. Ici nous avons le remplissage de semences. Là nous avons la chaux. Voilà, la goulotte d'ensilage. Une des goulottes d'ensilage parce qu'il y en a deux sur la ferme. Là, vous avez encore également des rangements. Voilà. Alors, en tout cas, c'est une map qui peut être pratique pour ceux qui n'arrivent pas trop à créer leur propre ferme, qui ont un petit peu des difficultés ou tout simplement n'ont pas d'idées ou d'inspiration. En tout cas, ça peut être une map qui est pratique pour ça. Alors, par contre, j'arrive pas, c'est allumer la lumière qui est là. Voilà, c'est bon, ça s'est allumé. Donc là, ici, je mettais essentiellement. Bon, là, ils ont enlevé un petit peu du décor, mais je mettais essentiellement tout ce qui était presse à balles, enneigneur, faneur, tout ça. Je mettais tout ici. Après, en dessous, vous avez donc un accès par la gauche. Vous allez ce petit chemin là qui est là. Vous retournez vers l'église. Ici, je mettais mes moissonneuses-batteuses, voilà, avec les barres de coupe. Et ici, j'avais fait une petite création. J'avais mis des bâtiments de stockage également pour les betteraves. Des tunnels, etc. J'avais fait ça sur le 17. Et on va finir par les enclos. Donc ici, vous avez également le silo. Voilà, à grains. Alors, de mémoire, il fallait vider ici. Donc là, c'est normal. Hein, vous videz ici. Et pour re-remplir, il me semble que c'était par la travers. Je suis pas sûr. Après, à vous de vérifier. Hein, comme je vous dis, je vous fais juste la présentation de la map. Je ne l'ai pas testé puisque je viens tout juste de la télécharger. Donc après, vous avez un petit retour ici. Alors moi ici, sur cette fosse-là, je mettais tout mon stockage de fumier. C'est-à-dire que tout le fumier que je récoltais auprès des vaches, des cochons, etc., je venais stocker ici dans le coin. Voilà, donc ça me faisait un sacré gros tas de fumier là contre le mur. Je trouvais que c'était plutôt bien de le mettre ici. Alors ensuite, là, ça s'ouvrait à l'époque. Est-ce que ça s'ouvre encore? Oui, ça s'ouvre. Alors ces petits bâtiments, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose parce que bah, c'est très étroit, hein, au niveau des entrées. Mais ça laisse encore un petit peu tout simplement du décor. Voilà, vous avez la même porte ici. Voilà, donc ici, moi je mettais là, vous pouvez encore remplir votre engrais. Hein. Donc après, vous pouvez venir là ici en marche arrière, mais c'est très très étroit en tout cas. Pourquoi pas continuer à stocker vos big bags, vos palettes en vrac ici? Ça se mélange avec le décor des palettes déjà existantes. Je trouve que ça pourrait être sympa. Enfin, moi perso, c'est ce que je ferais. Après, bah, ici, si éventuellement on nous donne le tracteur tondeuse, s'il arrive à rentrer dans ce petit passage-là, pourquoi pas le mettre ici? Voilà. Là, ça s'ouvre pas. Voilà. Donc là, je vous la présente vraiment de mémoire, hein, parce que c'est une map, j'ai beaucoup joué sur Farming 17. Alors par contre au niveau des lampes, il faut vraiment bien être calé dessous ou dessus. Je sais pas comment on peut dire. Hop. Donc là ça doit être. Non, ça n'allume pas celui-ci, ça doit allumer le bâtiment qui est devant. Donc à vérifier. Également, voilà, il y a un interrupteur qui est là. Donc là ici, bah, je mettais tout ce qui était faucheuse. Je mettais également la bigame, voilà, je rentrais ici également la bigame, je mettais aussi mon ensileuse, voilà, donc c'était un bâtiment que j'aimais bien parce que ça recoupait les trois outils. Maintenant on va passer à la catégorie enclos. Voilà, en tout cas, ça s'ouvre relativement bien. Voilà, alors est-ce que c'est. Alors celui-ci ne s'ouvrait pas, hein, sur le. Voilà, ça vous en avait juste un petit passage pour passer à pied et encore le bonhomme, voilà, passe par-dessus, chevauche. Ici nous avons donc le robot pour le lait. Si j'appelle ça le robot, mais c'est plutôt la salle de traite. Voilà, donc nous avons la salle de traite, hein, tout simplement. Ici, alors attention, faut bien vérifier parce que il me semble, on va regarder sur la carte. Il me semble, non, ils l'ont peut-être le retiré. À l'époque, ça pouvait être une vente de paille. Mais je suis pas sûr de mon coup. Hein, il me semble. Je suis pas trop sûr, mais je sais que moi je stockais des bottes ici. Je stockais les bottes. Le fumier, je le stockais là. Et quand ici j'en avais trop, je le stockais dans la zone que je vous ai montré juste derrière.
Donc là, on va arriver à la deuxième partie de la stabule. Alors, normalement, ici, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Par contre, c'est très très rapide. Je vous montre, hein. Paf, à peine appuyé, ça s'ouvre direct. Alors, tout ce qui était pour donner à manger aux bêtes, tout ça, etc., fallait passer ici au milieu. Voilà. Alors, par contre, est-ce que c'est les mêmes boutons pour refermer? Voilà, donc c'est le rond, hein, tout simplement. Vous appuyez sur rond. Par contre, faut bien être dans l'encadrement de la porte. Faut vite se retirer, sinon ça nous met une grosse calotte. Voilà. Et le fumier va apparaître ici. Voilà, par terre, le fumier sera là. Ça sera à vous de le ramasser. Alors, je vous parle, que ça soit clair, de comment c'était sur le 17. Normalement, ça n'a pas dû bouger. Après, comme je vous dis, la vidéo, là, je le fais, je la fais à chaud, je la fais à brut. Voilà, c'est brut de décoffrage, comme on peut dire. Alors là, il y a un sacré bug. Je peux pas passer. Comme s'il y avait une porte inexistante. Alors là, c'est un sacré bug. Je vais essayer de voir si ça fait pareil de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, ça le fait pas. Alors moi ici, là, dans le coin, alors après, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je l'avais fait, mais sans... voilà, sur le 17, on ne pouvait pas modeler le terrain. Mais vous pouvez faire un décaissé comme ceci, par exemple. Voilà, je vais le refaire. On va partir d'ici. Voilà, vous pouvez faire un décaissé. Bon, il ne veut pas décaisser. On va faire comme ça. Voilà. Non, ça ne veut toujours pas. Enfin bref. Vous modelez le terrain là dans le coin. Et puis dans le coin, vous pouvez mettre votre grange pour mettre votre paille, votre foin, etc. Pour ceux qui veulent faire un peu du vrac. Faire du vrac, vous pouvez mettre votre grange là dans votre coin. Bon, là je l'ai pas très bien modelé, hein, mais bon, c'est parce que je fais ça vite. Voilà, peut-être repartir d'ici. Bref, alors après, vous avez un accès également ici, voilà, pour venir curer ou donner de l'eau, tout ça exactement. Là, ça s'ouvre. Voilà, bon, ça s'ouvre dans le bon sens. C'est bien quand ça s'ouvre le long de la clôture. Des fois, les ouvertures sont un petit peu mal. On va aller celle-ci. Celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va. Donc là, nous avons uniquement les vaches. Sur ce corps de ferme, il y a uniquement les vaches. Voilà. Après, au niveau des animaux, donc on a cochon, poule. Alors, attendez, peut-être que je vous dis une bêtise. Non, oui, les moutons, ils sont là. Les moutons, c'est tout simple. C'est une mangeoire, un abreuvoir, et les moutons sont là, en prairie. Ils sont dans la prairie, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien. Voilà, il me semblait que c'était comme ça. Et au niveau là-bas, après, vers les cochons. Donc les cochons, c'est tout simple. L'enclos à cochons, il est là. C'est tout simple. Et les poules, elles sont là. Voilà, donc ça, ça n'a pas très évolué au niveau du 17. Par contre, je vois un truc. Que c'est une tuerie, c'est les chemins de terre. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Il nous manque plus que le mode saison. Alors là, le gros bémol de cette map, hein, je dirais, c'est les emplacements. Alors, est-ce que ça va être corrigé? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pu constater, je ne suis pas mappeur, mais j'ai pu constater que plus la map est développée, il y a du décor, il y a de la finition au niveau de la ferme, de la map, du décor, des champs, des villages, etc., etc. Il y a des arbres un peu de partout. Plus la map est volumineuse et moins il y a d'emplacements libres. Maintenant, vous pouvez vérifier avec la map Islande. Voilà, où on arrive quand même en vendant absolument tout. On arrive à 88 emplacements libres. Et ici, nous sommes à 670. Donc en tout cas, il y a une grosse, grosse écart. Alors, par contre, sur la map Islande, niveau décor, il y a absolument pas grand chose. Je vais pas dire rien parce qu'il faut pas être méchant, je vais dire pas grand chose. Et ici, niveau décor, ben voilà, c'est totalement soigné. Vous voyez, les routes, elles sont super sympas, il y a des petits ponts. Après, à voir. Après, il faut calculer. Je pense que par contre, pour le coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'emplacements libres, je dis pas que ça serait pas une map à multijoueur, parce que ça serait dire des bêtises. Ça peut être une map à multijoueur, mais il faut avoir un corps de ferme, voilà, tout simplement. Et ben, travailler ensemble pour le même corps de ferme. Après, avoir plusieurs corps de ferme, ça sera pas possible au niveau des emplacements libres.
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, j'ai préféré la faire en vidéo postée, comme ça je suis pas entre guillemets, c'est pas méchant, mais je ne suis pas coupé toutes les 2 minutes et au moins j'oublie pas de dire certaines choses. Voilà, vous avez encore également un point de vente. Voilà, avec pareil, vous pouvez vendre votre fumier, vous pouvez acheter l'engrais, etc. etc. Donc l'engrais et la semence, normalement vous pouvez l'acheter presque, je vais pas dire partout, mais voilà. Après, c'est à vous de placer aussi des petits objets à droite à gauche. Là, on a une petite forêt de sapins, de petits sapins. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand c'est une présentation de map, je préfère la faire en vidéo postée parce que comme ça, au moins, je reste concentré sur le sujet et puis c'est plus clair pour vous et surtout pour ceux qui regardent en rediffusion. Voilà, les amis, alors je ne ferai pas de live ce soir, je verrai éventuellement pour en faire un demain. Je suis désolé hein, si je fais pas trop de live en ce moment. Je suis concentré sur d'autres choses en ce moment. Voilà, on a également repris un petit peu GTA 5, donc bon, je vais pas lâcher farming pour autant. Hein. GTA 5, ça sera de temps en temps, bien entendu. Et puis n'hésitez pas, hein, je le redis, ceux qui veulent venir jouer sur GTA 5 online avec nous, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis on verra pour éventuellement organiser tout ça, créer des équipes de façon à ce que personne soit mis sur la touche ou mis de côté. Je pense qu'il faut faire plusieurs équipes, voilà, pour ce qui est des missions. Donc n'hésitez pas à créer des petites teams entre vous, voilà, parmi les abonnés. Et puis bah, je vous remercie encore de me soutenir depuis si longtemps. Merci d'avoir dépassé les 2000, les 207 000 vues, pardon. Et on a dépassé également, je vous donne quelques chiffres comme ceci, on a dépassé les 1800 abonnés. Voilà, je suis à 1809 abonnés, donc encore un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nous, on va se faire une petite soirée télé en amoureux avec le petit. Et puis, bah, je vous dis certainement à demain. Ciao les amis, bye bye.